Que le Seigneur Jésus-Christ apporte dans mon corps. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de vous. Lorsque tu viens dans la maison du Seigneur, il faut toujours louer le Seigneur car il a accompli cela. Psaume 65, verset 5 qui nous dit. Psaume 65, le verset 5 qui nous dit ceci. Heureux ceux que tu choisis devant sa présence. Amen. Zambé a pour la capacité de pousser au Guinée. Donc Dieu choisit les gens qui doivent s'approcher en sa présence. Il aime que l'autre s'approche. Mais il refuse que l'autre puisse s'approcher. Donc, devant Dieu, et non, celui-là ne devait pas venir, mais comment est-ce qu'il est venu? Et le pasteur Seba, il dit, c'est ça la parole. Et la manière dont le pasteur Seba venait de nous parler, c'est ça même la parole. Et les choses de Dieu exigent la persévérance. Voilà pourquoi moi j'ai du mal à implorer une personne. Donc à je peux prier, c'est exact. C'est que si tu venais, c'est que Dieu t'a prévu pour être là. Ceux qui vont se retrouver dès notre travail avec Zem et à travailler à mille personnes. Si vous vous retrouvez à deux, si je vais travailler avec vous, dans mes temps, je travaillerai avec mille personnes. Il faut n'aller pas qu'il y ait personne dans notre tête, n'aille pas qu'à pas m'en taper la vie. C'est une équité. Il faut que tu saches qu'il n'est pas donné à un homme de conduire ses pas. C'est une équité. Si les pas qui sont. Qui se sont approchés devant Dieu justement pour deux personnes. Il y a une écriture pour cela. Et nous allons adorer l'écriture. C'est ça la vie de Dieu. Amen. Quand Dieu avait exterminé le monde à l'ère de Noé, il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées dans l'arche. Ça, la statistique du nombre en monde. C'est maintenant la statistique du nombre d'abord du monde entier. Et pas la résurrection de Dieu. Chez Dieu, ce n'était pas une chose étonnante. Oui. Dans l'ère de Sodome. À l'ère également de Sodome. Dans la Isa, Sodome et des villes avoisines. C'était Sodome et des villes voisines. Des voisinages. Donc, quand la Sodome était visible. Ce n'était pas uniquement Sodome qui était consumé. Il y avait aussi des villes dans la tour de Sodome. Mais quel nombre de babi maka? Mais il y avait seulement combien de gens qui étaient sortis sauvés? Trois. Trois personnes. L'autre n'a pas d'animal. L'autre avec ses deux filles. Et ça a donné son nom. Pour Dieu, ce n'était pas étonnant. Maintenant, Lélo. Également aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous sauver. L'épouse Yahanio. Amen. Comment il a 8? Dieu a commencé avec 8. A quitté le nombre 3. Il a abaissé le nombre jusqu'à 3. Aïe, il a 1. Jusqu'à ce qu'il a atteint 1. Il y a un Paul à prier, il a 1 Corinthiens 9. C'est pourquoi Paul avait prêché dans 1 Corinthiens chapitre 9. Corinthiens verset 23 dit. À partir du verset 23 jusqu'au même au verset 26. Il a dit il y a beaucoup de gens qui courent dans le stade. Mais moi, quand je vais t'en prier. Qu'une seule personne remporte le prix. C'est pas pour rien que Paul a prêché ainsi. Alors, il courait de manière à les remporter. Amen. Et puis, me voyez par exemple, quand on est là, pas dans mon côté. Et puis, faut que tu saches que Dieu ne s'étonne en rien. Dans sa quoi que ça va tout je disais un jour à quelqu'un. Ah, dans sa tante. Non, je n'ai pas de temps. Dans sa trop chargé. Pourtant, je suis très pauvre. Mais les autres en je lui disais maintenant, qu'est-ce qui te retient? Dans un moment, ça va marcher à l'eau, à l'eau, à l'eau.
Dubaï. Maintenant, il m'a répliqué disant que je pars maintenant faire des achats à Dubaï. Après. Maintenant, je vais poser la Il a répliqué si j'achète les marchandises, je vais mettre ça dans les wagons. Après. Je lui ai répliqué aussi après. Il a répondu que je vais prendre l'avion et puis je vais retourner. Après. Je lui ai répliqué encore après. J'ai promis n'importe laquelle. Il réplique encore. Si cela arrive au port, je vais prendre ça et revenir après. Après. Je lui ai répliqué encore après. Change la terre. Tout ce que Dieu a donné sur la terre ne peut changer.
Mais pourquoi yo être né au Dominique, c'est pas bon. Mais pourquoi donc doit son être, tu peux mépriser la parole. Il est venu qu'à son désiré le ciel à pomme de main. Dans son bâtier, le beau boy. La Bible dit que Dieu mesure les cieux avec la pomme de sa main. Donc là, il met sa main dans son ciel. Donc c'est tous les cieux qui sont mesurés. Hein? La pomme à main. C'est pas avec la pomme de sa main comme ça. Dieu est tellement. Il faut qu'on parle à l'époque pour tout ça. Il faut que l'on aille prendre les députés. Il faut que tout partage. Devant sa face, il faut vraiment que nous nous humilions. Il faut tout ça à la maroba. Devant lui, il faut manquer des mots. Job a dit qu'on n'a pas le pied. Job pouvait dire où est-il. Nous avons encore donc privé la justice. C'est Dieu qui me prive la justice. Là, la salle est sous-montée dans sa maroba. Pour moi, je suis innocent. Ce qui n'a pas lié la maroba. Une fois de voir, je lui dirai de me montrer où est mon péché. Il cherchait Dieu. Il cherchait Dieu. En disant que c'est pas où est-ce que mon je veux pas le retrouver. Mais où est-il afin qu'il me montre mon péché? Mais je vous en prie. Et le jour que le Seigneur m'a dit, il lui avait dit de serrer sa ceinture. Parce que la ceinture, c'est la vérité. Amen. Amen. Olo de la dame. Tu avais dit à Job, parle-moi, je suis la même. Job a dit. Job avait dit. Naïoki, première fois, deuxième fois, n'a pas le baptême. J'ai entendu pour la première fois et la seconde fois, je l'ai dit. Je mets ma main sur ma bouche. La voix de Dieu. Amen. Et ça très grave. Amen. Il faut qu'on baisse en table, voilà. Respect pour lui qui a son mérité. Il faut accorder à Dieu le respect qu'il mérite. C'est très important. Amen. Il y a longtemps que nous sommes tous mouillés dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi chaque fois quand tu te présentes dans la maison de Dieu, dis-moi que ta pour accepte que c'est Dieu qui t'a choisi pour que tu sois présent. Dès que tu sois en colonel, tel que nous sommes aujourd'hui, ayez une nombre à papa et à ma fourmi, nous sommes à ma belle et collégale. Il connaît le nombre des pas de toutes les fourmis qui existent sur le soleil, et là, il ne dépassera pas. Ayez une distance, nous sommes à nous sommes à votre et collégale. Il connaît toutes les distances des ponts effectués, tous les oiseaux sur le soleil. Et les vivants, tous les êtres vivants. Ceux-là qui ont connu ces jours, Dieu avait promis qu'ils rentreront dans ces jours. Hasard pas les hasards. C'est Dieu, les hasards n'existent pas. David a dit que la science pour les autres dépassés en tant que maladie. David avait dit que sa science est au-delà de ma portée. Alors puis avant même malobé comme un monoponaga, c'est un qui a mon nom. David disait que avant que même les parents ne soient maintenant, Dieu la connaissait déjà. Avant que je ne m'assieds, Dieu savait que je suis là. Tu sais, dès que tu es là, Dieu connaît l'air pendant lequel tu te reposeras. Ça dépasse. Même si tu te portes. Dieu sait que Janine se reposera à l'heure telle de 3 minutes, 10 secondes, ainsi de suite. C'est ce que la vie en absence de la Amen. Tu sais que la vie est en absence de la femme. Tu connais l'air où je m'assois. Le nombre de fois que tu pourras t'asseoir par jour, Dieu connaît. Dieu est grand. Il y a beaucoup de papa. Ça ne va pas être à ta pourquoi. C'est ce que nous disons souvent que Dieu connaissait qu'Adam devait pour surtout c'est il n'était pas étonné. Bon ami. Pourquoi? Parce que les cultivateurs, quand ils sèment la semence, sont désireux que la semence meure afin qu'elle produise la superbe. Quelle que soit la raison, il aimerait toujours que la semence meure et qu'elle produise dans la superbe. Si les cultivateurs prenaient les gars, alors multiplie-toi. Et disait, multipliez-vous. Et multipliez-vous. Il sait très bien qu'il ne
maintenant c'est là dans la terre et la semence. Après, vous aussi multipliez. Dans la suite, multipliez-vous. Quand il avait prononcé Adam, multipliez-vous. La carte, la loi, ça. Dans ce langage, multipliez-vous, il y avait le terme la mort, vous mourrez. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Il y a beaucoup de monde à Adam à côté avant tout ça. Voilà pourquoi vous allez voir que Adam était mort sans donner de sens. C'est là que tu dois te poser des questions.
Il y a d'autres personnes qui ont tellement de relations. Mais elles ont pas simple.
pourquoi consentir une aventure telle. C'est pourquoi il ne faut pas prendre ce chemin par aventure. Crains Dieu. Amen. Paix-lui gloire. Donne-lui gloire. Oui, élève son nom. Élève son nom. Et ça a bénéfice la mission. C'est pour notre bénéfice. Et ça pour tout qui est délibat à moi en appartenant à et pour que nous allions à la bénéfice de notre pour qui est l'agneau. Afin d'abandonner ces corps d'humiliation pour porter les corps de gloire. Que Dieu te bénisse. Ah. Et que la grâce du Seigneur vous a libéré dans mon corps vraiment. Et que la grâce soit sur chacun de vous vraiment. Nous autant la terre qui s'en mission. Nous lisons notre texte. Et enseignement par la grâce de Dieu. Enseignement par la grâce de Dieu. Les autres années, les 2 novembre 2021. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 2 novembre 2021. Nous continuons l'enseignement sur les 7 sous. Et nous continuons notre enseignement par sur les 7 sous. Nous allons bénir d'abord Apocalypse 12. Nous parlons d'abord abondamment sur les chapitres d'Apocalypse 12. Pour tout confirmer que ça n'a qu'à dire pas sous. Pour ainsi confirmer que ça se trouve aussi dans les sous. Nous terminons déjà la 4e sous. Nous sommes déjà arrivés au 4e psaume. Nous autant d'abord Apocalypse 12. Nous lisons d'abord Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 7. À partir du 7e verset. Dîne verset 18e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il guerre dans le ciel. Et tombe les anges dans les colons. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Les grands dragons. Les serpents anciens. Appelé les diables et Satan, celui qui séduisit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Et la puissance est le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, Dieu. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand temple firent donner à la femme, afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Loin de la face du serpent et de sa bouche, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve.
Et la terre s'écourit la femme. Et la terre ouvre sa bouche. Et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé dans sa bouche. Et les dragons furent irrités contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Et ils se tint sur les sables de la mer. Que Dieu bénisse l'étude. Amen. Et vous allez vous croire que le Seigneur a dit que Dieu nous aide petit à petit par sa grâce. Nous croyons que Dieu nous aide petit à petit par sa grâce. Nous avions déjà l'écriture 5. Nous avions pris le verset 5e. Il y a Apocalypse 12. Apocalypse 12. On a promis les fils à quel trône. Là, on a vu comment le fils est parti au trône. Là, Total Isaki par rapport à la promesse qu'ils ont avec ces cinquièmes. Là, on avait pu voir en rapport avec les promesses qui sont au verset 5e. Total Isaki par promesse en bon zambé à la Kiango Église. Nous avions remarqué que ces promesses-là, Dieu les avait faites à l'Église. Donc, la promesse est en Apocalypse 12, verset 5. Les promesses qui sont dans Apocalypse chapitre 12, verset 5. Pour ses fils, pour mon Isambé à la Kiango Église, nous l'avions remarqué que Dieu l'avait fait à l'Église. Dans laquelle l'Église a Tiatir, on avait lu l'Église de Tiatir, Apocalypse 2, verset 26 à 27. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 26 à 27. Et tout en laquelle l'Église à l'Odyssée, on avait vu aussi cela dans l'Église de l'Odyssée, Apocalypse 3, verset 21. Et cela se trouve dans Apocalypse 3, le verset 21. Donc, ils avaient dit par promesse. Cela était des promesses. Oh, aux âmes, à et Dieu avait accordé au vainqueur. Il y a un nom de Talisaki. C'est cela qu'il nous avait montré. Et moi, que cet enfant est vainqueur. Maintenant, Talisaki est l'homme à Oyo et à moi, à Oyo. Maintenant, j'avais pu voir que cette victoire de ses fils. Oh, ils allaient. L'Église est comme une perfection et toi l'ami. C'est lui qui parle de l'Église qui a atteint la perfection et qui doit être enlevée. La Bible soutient le peuple de Dieu et vaincre. Dans la Bible, quand le peuple de Dieu vainc, Bible, chaque fois, le prophète va préciser que l'ennemi a sa précipité. Et dans la Bible, le prophète précise que l'ennemi de ses faits est précipité. Il y a un autre qui témoignage, il y a Esaïe 14. Voilà pourquoi on avait saisi un témoignage dans Ésaïe chapitre 14. Total verset 1er, la deuxième de Ésaïe 14. On avait lu le verset 1er et 2e d'Ésaïe chapitre 14. Total victoire où nous avons béni Israël en prophétie. Là-bas, on montrait la victoire dont Dieu avait apporté à Israël dans la prophétie. Tantôt comme le verset 3e de Ésaïe 14. Lorsqu'on était arrivé au verset 14e d'Ésaïe. Troisième plutôt d'Ésaïe 14. Pour qu'il même dit le verset 15e. Nous sommes allés jusqu'au verset 15e d'Ésaïe 14. Azoro va chanter un cantique où ils ont concerné les rois de Babylone. On disait de chanter un cantique qui concernait les rois de Babylone. Maintenant, ce temps qui a beaucoup de temps déjà. Maintenant, quand nous les lisons bien, parce que nous l'avons déjà lu. Azoro de la chute et à Babylone. On parle de la chute de Babylone. On m'a dit, relèvement Israël. Tu vois, au départ, on a parlé du relèvement d'Israël. Il va présenter chute à Babylone. Après, on a présenté la chute de Babylone. Alors, tout à l'heure, ça a été brûlé. Alors, on avait montré ceci. L'ennemi. Que l'ennemi. Tango. Adam. Ça m'a fait ce qui est domination. Lorsque Dieu avait donné à Adam sa domination. Et qu'ils avaient à précipiter qui Satan ou Talipolo. Et que Dieu avait précipité Satan à précipiter. Dans la précipité. Quand il avait précipité. Avant chute d'Adam. Avant la chute d'Adam. Dans la précipité de l'ennemi. Et
Satan était précipité. En ce moment-là, il n'avait pas, il n'avait personne qu'il devait accuser. Je désire que vous me saisissiez bien. L'accusation ne vient que lorsqu'il y a le péché. Alors qu'il accusera quelqu'un, voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Mais lorsqu'il est précipité, premièrement, Ézéchiel 28, désolé, répétez encore. C'est là, c'est tout dans Ézéchiel chapitre 28. Voilà, en tout cas, Azan a monté à là, le diable n'avait personne qui devait accuser. Il avait de trouver un roi sur la terre. Roi, c'est Adam. Et ce roi-là, c'était Adam. Parce que le Seigneur avait cette domination. Parce que Dieu avait donné Adam étant roi sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Les animaux des champs. Oui. C'est Babylone qui s'appelle la main. Sur les choses qui se meuvent même dans les eaux. Maintenant, les malades, ça va qui n'a qu'un taille au continuant. Alors, l'ennemi était jaloux. Donc, coller en rapport avec la gloire que Dieu avait donnée à Adam. Alors, il fallait chercher le moyen par lequel Adam devait détruire sa relation avec Dieu. Et Dieu devait le posséder royaume. Ensuite, il devait posséder ces royaumes-là. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que l'ennemi a fait. Vous aurez un amara. Amen. Mais l'air a été précipité. On a un frère qui a baptisé. Autant qu'il était précipité, il n'avait personne pour accuser en ce moment. Maintenant, c'est l'Apocalypse 12 quand il est précipité. Il était déjà accusateur de quelqu'un avant. Et alors, précipité. C'est maintenant qu'il est précipité. Alors, il déjà séduiteur la terre avant. Il séduisait déjà la terre avant. Alors, mais c'est lui qui séduisit. La Bible dit que c'est lui qui séduit. Et ça a passé. Au passé. Donc, hier, on a compris ça, ma bébé. C'est lui qui écroulait la terre. C'est lui qui a mené qu'on a précipité. Non. L'Apocalypse tout ne parle pas de la manière dont Satan fut précipité là en Éden. Non. La prophétie, c'est le temps. La prophétie, c'est question de temps. Sauf au bébé, si qu'on place le temps pour prêcher la fausseté. Non, tu échoues devant les placés. Dans leur temps, tu as prêché mal. Et Dieu bénisse. Amen. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Les diables étaient prédits à la fausseté. Dans les diables, tu lis la fausseté. Ils ont la parole. Ils pensent des mal à bonne parole. En plaçant mon Adam en beauté. Ils la placent dans un temps qui n'est pas conforme. Les diables a une parole où ils ont la parole qui n'est pas bon que l'homme soit seul. Les diables connaissent la parole qui dit qu'il n'est pas bon. L'homme soit seul. J'ai lui fait les yeux des semblables. Amen. Et le Seigneur a pris ce qui profond son âme et pas l'homme. Et Dieu avait endormi l'homme. Après, il soutira qui ne s'écoute. Et puis Dieu avait soutiré qui ne s'écoute. A sali la femme. Il a formé la femme. A baissé femme et pas à Adam. Et puis il a amené la femme auprès d'Adam. Et la Bible le dit à bénissa par l'homme. Et la Bible dit que Dieu les avait bénis. C'est la parole. Amen. Bonjour, papa. J'écoute très bien. Il faut ma femme et le groupe et ma bonne femme. C'est la parole. Ils devaient vivre ensemble pour avoir des enfants. C'est la parole. Mais les diables à quoi ils ont été en route. Mais les diables peuvent venir prêcher quelqu'un. Mais il y a une femme et une femme. Il y a une femme et une femme qui ont été. Comment toi tu veux vivre seul? La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, il y a un pays qui a été en route. Il y a un pays qui a été en route. Ok, c'est pour moi dans ce qui va bien en terre. Quand tu peux prendre maintenant quelqu'un, je ne sais pas où dans quelle ténèbre, et pour vous partager, la personne là dans le tête. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour accomplir le verset, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, qui dit, qui parle à toi comme ça? Jamais. C'est Dieu, hein? Là-bas, au terme des ordres, jamais. Avec les désordres, là, dans tes hôtels, là-bas, c'est Dieu. Amen. Diable! Ça, c'est ça. Mais toi, c'est... Mais c'est, il a tout quand même un verset pour te convaincre. Les deux peuvent être problème de ce. Diable a sa la problème à temps. Son moyen. Les termes jouent avec des temps, si tu les connais pas. L'écriture est le l'écriture dit. Si nous disons que nous ne péchons point, nous sommes.
faisons un vrai menteur. L'Écriture dit que si nous disons que nous ne péchons pas, nous faisons des dieux menteurs. Et la vérité de Dieu est loin en nous. Alors la vérité de Dieu n'est plus en nous. Mais si nous confessons nos péchés, si nous confessons, Dieu est fidèle et juste qui nous parle pour nous pardonner, car il y a un avocat auprès du Père. Ah. Maintenant, c'est le Père de Dieu. Amen. Maintenant, sauf qui est lié dans la tentation est lié. Maintenant, si cette écriture devient un esprit lorsque la tentation, la tentation vient. Là, tu continues à dissoudre. Là, tu ne peux pas encore rentrer dans la vie. Mais ils sont les maisons tentées. Mais le péché là, nous de dissoudre. Mais le péché là est venu dans ton esprit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons des mentir. Et ça, tu es ça, ce qu'on met maintenant, Satan. Et aussi Jean le dit, Jean aussi en parle,
le monde entier sous la puissance des malins. Amen. Azo dominé. Donc le diable domine. Mais domination dans la vie, c'est dominant moi et le bénémo. Que par la grâce de Dieu. Je vous avais parlé un peu de la domination du diable par la grâce. Quand les dragons ont parlé dans l'Apocalypse 12. Vous voyez, quand le diable a parlé en Apocalypse 12, Azan a sept têtes. Il a sept têtes. Et ça n'a pas couronné dans ma diadème. Et couronné des diadèmes. Ma tête, voilà. Ces têtes-là étaient sa ma puissante nation. Et là, parle des puissantes nations. Égypte. Premièrement, l'Égypte. Après Égypte. Assyrie. Deuxièmement, la Syrie. Après Assyrie, Babylone. Troisièmement, Babylone. Après Babylone, Médopèse. Et puis Médopèse. Quatrième. Après Médopèse, Grèce. Et cinquième comme Grèce. Après Grèce, Rome. Et Rome comme sixième. Nathalie, c'est qui au Péron, Azan, Apollis, 13, Nicolas, Maï. La bête, Nathalie, Nicolas, Maï. Tu t'avais montré que Rome est sur les eaux comme la bête dans l'Apocalypse. Maintenant, il y a une place dans l'Apollis, ici. C'est la femme au-dessus des eaux. Maintenant, qui prend sa place dans l'Apocalypse, disait que c'est la femme qui était sur les eaux. Parce que la bête, Azan, Nicolas, Maï, Apollis, 13, ce qu'on a dit, c'est des valeurs qui font à la blessée. Parce que la bête qui est sur les eaux en Apocalypse 13, quand tu lis bien, la Bible dit qu'il fallait qu'elle soit blessée. Une de ses têtes qui sera blessée, la blessée est encore mortelle. Une de ses têtes qui sera blessée mortellement. Et salement, le coup l'Empire romain est pas en accord. Cela a été déjà fait parce que l'Empire romain était, l'Empire romain pouvait être disloqué. Et le coup l'a remplacé déjà du colombe et une femme positive. Donc on avait déjà remplacé la bête par la femme qui était sur les eaux prostituées. Ça prend un total de ça après. Empire romain païen, empire romain barbare, tourboigné. Septième. C'est là qu'il était de vouloir montrer qu'après la, dislocation. La dislocation plutôt de l'empire romain païen, maintenant ça sera l'empire papale qui va s'élever dans sa place. Parce que vous voyez la femme prendre la place de la bête qui est dans la place 13. Amen. Et c'est cette femme-là, au Napolis 13, 17. Et c'est cette femme-là, en Apocalypse 17, elle est appelée au verset 18, la grande ville. Amen. Qui a la royauté. Oui. Donc, royauté, c'est une puissance. La c'est royauté. La bête. Amen. Je pense que c'est une royauté, c'est la bête puissante. Je pense vouloir vous dire que la royauté parle de la bête qui incarne la puissance. Maintenant, à l'Apocalypse 17, verset 18. Maintenant, à l'Apocalypse 17, verset 18. Les chrétiens nous disent ici, nous lisons dans le verset. Ah. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville. Grande ville là où c'est Rome, Vatican. La grande ville ici, c'est Rome, Vatican. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté. Royauté de Jésus comme ma bête. La royauté, c'est qui incarne la bête. Amen. Est-ce que vous suivez la parole? Est-ce que vous suivez la parole? La royauté, c'est les lois de la terre. Donc cette bête-là a la royauté. Cette femme. Ah, là, cette femme a la royauté sur tous les lois de la terre. Donc c'est la petite femme, moi, dans la carte, il y a un roi et roi. Oh, ils sont pour c'est la véritable roi des rois. Pour dire que cette femme a en elle la position du roi des rois pour s'opposer au véritable roi des rois. Il y a aussi un tali dans le verset 4 et 5. Voilà quand tu fais la lecture au verset 4 et 5. On peut remarquer que cette femme, tu vas voir que cette femme, parmi la tenue au bas au Pessaïe, parmi les tenues qu'on montre et porte, à la dit pourpre. Et la vie pour dire d'abord, on est pour. Dans verset 4. Verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre. Pourpre, c'est la loi. Le pourpre, c'est parle de la royauté. On comprend à Jésus-Christ, c'est un soldat. Il y a qui passe à la main Jésus. Tu verras quand les soldats voulaient s'amuser de Jésus. Balactisier pourpre. Il avait revêtu l'habit en pourpre. Après, ma père s'est salué. Et puis, ils l'ont salué. Bah, il dit, salut-moi! Que salut-moi! Faut que tu sois écrit, la main à ses bénévoles, on écrit. On va prendre cette écriture là où moi j'aime lire. Il y a bon des sous dans ma casse. C'est ce qui aide beaucoup. Salut-moi!
Donc c'est ça, il y a un problème. C'est ce que tu dois comprendre. Dans une marque, tant que vous allez au bétail, dans ma soldat, dans une balade ici et là-bas, quand on est frappé par les soldats, puis on l'a en pourpre. En pourpre. Dans Jean, c'est impossible. Même dans Marc, ils allaient, dans Marc 15, ils allaient. Dans Marc 15 aussi, ils allaient. Même dans Marc 15, c'est là, ça se trouve. Mais aujourd'hui, dans Jean 19, tu peux prendre d'abord Jean chapitre 19. On a tout qui est mémoire en bas. Parce qu'il y a des gars tout le temps qui dit. Parce que moi, j'ai toujours aimé qu'on lise l'écriture. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Ah. Et il est pour enseigner. Évidemment. N'apoya pas pour enseigner sans écriture. Je n'aime pas enseigner sans écriture. Parce que bah, le c'est l'écriture qu'on enseigne. Parce que la Bible montre que c'est avec l'écriture qu'on doit enseigner. Et qui est pour convaincre. Ah. Parce que nous voulons convaincre pour tout. Puis c'est l'écriture. Si tu veux convaincre quelqu'un, donne-lui l'écriture. Parce que comment il faut. C'est comme ça que cela est écrit. Verset 6e. Le verset 6. Oui. Le verset 2 à 3. Les soldats dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Verset 1 à 3, il y a Jean 19. Mais plutôt les diadèmes sont sortis des têtes qui se trouvaient
le dragon, mais sont partis à la paix maintenant aux 10 cornes. Voilà, Bazotan et Sakene, 10 soyons et Bakoya pour régner. Là, on montre que les 10 viendront régner. Bamone, Bamone, pour régner ensemble avec la bête, la l'air au bisocitoki. Ce sont ceux-là qui viendront régner ensemble avec la bête pendant que nous, nous ne serons plus. Dans l'église, l'épouse de Christ est coquée. Dans l'église qui est l'épouse de Christ partira dans la vie. Il y a besoin de venir verset premier. Voilà, quand nous lisons le verset premier. Puis j'ai vu, il y a Apocalypse 13, nous lisons le nom de Jésus Christ. Ah. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Les choses donc qui possèdent ici, ces éléments se trouvent donc sur les serpents. Directement mon serpent. Donc celui qui voit cette bête ici, il voit la présence du serpent incarné là-bas. Et si ce corps est différent. Et tu as diadème sur ces corps. Nous avons dit que cela est pour quelle raison? Pour terminer dans Apocalypse 17. Nous lisons d'abord Apocalypse 17. Dans 8, verset 16. On prend directement le verset 16. Nous lisons dans les Jésus. Amen. Les deux cornes que tu as pris. Ma cinquième homme est au Yom Ranaki. Et la tête. Là, nous rentrerons dans le détail après. Verset 12. Bon, verset 12, non, verset 12. On parle toujours à quoi l'esquisser. Les licornes que tu as mis sont qui, roi? Ma cinquième homme, on a qui est à quoi les zombies. Qui n'ont pas encore réussi le royaume? Bah, on a pas eu un homme au consider. Les lorrains n'ont pas eu au consider. Bah, on a aspect à quoi les 12. Là, c'est l'aspect de l'Apocalypse 12. Ammoni à ta moton, on a monté les couleurs à Ticor. Qui n'ont pas encore reçu le royaume. Mais qui reçoit autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Quand si bon, vous avez besoin de vous la compose, l'encore, Guyane la compose, l'encore la compose, n'a pas encore et l'encore la compose. Viens de dire que tant que tu mangeras le fruit, tu mourras. D'accord, allez à couffer.
chassé dans le jardin. Dieu l'avait chassé catégoriquement du jardin. Il y a mon état dans l'église. C'est comme ça que nous sommes dans l'église. L'église est un pays des vivants, la parole. Ah, l'église est un pays des vivants pour la parole. Ce qui va reprocher. Quand on reproche quelqu'un, corriger mon dans ce matin. On le corrige, il n'écoute pas toujours. Un jour, le fauteuil, il s'est en plein culte. Un jour, on voit le père de Dieu devant le peuple de Jacques. Comment on a un frère Manga? Si son nom c'est le frère Manga. Frère Manga, tenez les mains. Frère Manga, tenez les mains. Comment les frères? Nous disons, vous voyez ce frère de l'Assemblée. Pour reprocher ma cassine et comme. Une fois, nous l'avions reproché pour la situation des impudicités. Pour le dire, nous avons une conseiller. Nous disons à l'Assemblée de conseiller des conseillers de frères. Sauf si le frère ne parvient toujours pas à comprendre. La considéré comme un païen. La Bible dit ordonne de l'excommunier afin qu'il soit considéré comme un païen. Tant qu'on va la considérer comme un païen. Quand on dit qu'il faut le considérer comme un païen, n'a espérance qu'il va se répandre poison là. C'est avec l'espérance que l'Assemblée aura que le frère pourra se répandre et retourner. On l'a dit, madame. Vous suivez très bien. Ah, c'est ça, Matthieu 18. Maintenant, le Seigneur a animé. Maintenant, dans ce cas, comment tu procédé? Sauf à aimer si Israël, Israël, se répandre. Si Dieu parle à Israël et qu'il n'écoutait pas. Non, soit Ézéchiel 32. Ézéchiel plutôt 32. Verset 24. Verset 24. Nathan dit, au nom de Jésus-Christ. Ah. Là est l'Éram. 24. Ézéchiel 32. Là est l'Éram. Là, dans mon Éram. Voilà l'Éram. Avec toute sa bénédiction autour de son sépulcre. Wana Elam avec toute sa méditude autour de son sépulcre. Et l'ongona et belenaye, zinga zinga na litra. Elam c'est le royaume perse. Elam c'est le royaume. C'est comme nous appelons Congo Kinshasa. Congo Kinshasa. Vous avez le malam, hein? Ah. Ce qu'on dit Kinshasa, directement dit RDC. Quand on parle déjà de Kinshasa, directement on voit RDC. Ça nous donne une motion. Et de la même manière qu'on parle des lames, tu vois déjà le royaume de Perse. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Ils sont descendus ainsi aussi dans les profondeurs de la terre. Quand il s'est obéissé, ça va obtenir ma prophète par les projets. Dieu lui envoie des prophètes pour
Serpent, la mort, c'est le serpent comme la nation qui domina cette époque. Mais l'Apocalypse,
Voilà pourquoi au quatrième sont là. Le pouvoir leur fut donné. Ah. Leur fut donné. Okay. Donc, et personne n'est la mort dans ces jours des morts. Donc, le pouvoir était donné au pluriel, à la mort et au séjour des morts. Ce sont vraiment là, moi. Nous suivons très bien. Mais ma première sur ma zaka, côté de la mort. Mais tout cela se trouve toujours du côté de la mort. Voilà. Il est roi de Kadisaka, 7 ans. Les lignes là ne parlent que de 7 ans. Après l'étoile, après l'enlèvement, l'église évolue la perfection. L'église qui atteint la perfection. Et ça, un temps va mettre à 7 ans. Il y a un temps qu'on appelle 7 ans. Nous sommes là-bas. Nous suivons très bien. Il y a mon Isaac dans Daniel 9, verset 26. C'est ce qui se trouve dans Daniel chapitre 9, verset 27. Et vraiment le Seigneur n'a pas mon avis béni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et par la grâce de Dieu, je sais que pourquoi avancer le bout. Et par la grâce de Dieu, nous savons que demain nous allons avancer. Parce que là, il y a la table de ce que l'équipe m'a l'aimé vraiment. Car j'aime toujours qu'on puisse avancer petit à petit. Pour aussi ma matière bien. Afin que vous saisissiez confortablement la matière. Donc, au total, ici, là, la différence d'abord. Entre 10 cornes, entre 10 cornes, mais les attaquer d'abord couronne, comme elle manquait d'abord au préalable le couronne, diadème, mais Bayer Copé ça, diadème, n'a pas espèce. Mais c'est là, elles ont reçu des diadèmes en Apocalypse chapitre 13. Au moment où il y a un moment dans l'Apocalypse 13, après un temps, Dieu l'avait ôté. Après un zomba. Et puis Dieu l'avait retourné sur. Donc, la bête qui était n'est plus. C'est comme la bête qui était et qui n'est plus. Ta voisin n'est plus, cela veut dire la femme a mené Nicolas Maille. Donc, quand la bête n'est plus, c'est alors la femme sort des eaux. Elle réapparaîtra. Et la bête qui réapparaîtra. Donc, bête, on réapparaîtra encore. Donc, cette bête qui n'était plus va réapparaître. Est-ce que nous suivons très bien la manière dont les choses sont structurées? Il faut que tu saches ceci que victoire au ballon du serpent. La victoire aussi qui est remportée sur le serpent. Et ça c'est victoire à chair pour qui a votre anti-gloire. C'est la victoire de notre chair pendant que nous allons la laisser et nous porterons les corps de gloire. Amen. Je ne veux rien répéter autant de oui, fois. Oui, on connaît. Parce que je disais que toute chose que tu le maîtrises avec plaisir, ils l'ont vaincu. Et pourquoi il est écrit qu'ils l'ont vaincu? À cause du sang de l'agneau. Ah, ange à Colombe a été à cause du sang. L'ange ne peut pas vaincre à cause du sang. Les anges disent. Là, il s'agit de nous. Les sangs avaient été répandus pour nous. Les sangs furent répandus, c'est à cause de nous. Pour l'homme. Pour l'homme et non pour l'âge. Nous suivons très bien. En tout cela, tu dois connaître ceci. Lorsque les serpents ratent d'attraper, avant précipiter la terre, il est précipité sur la terre. Donc, précipitation à la désaccord, Ézéchiel 28 a dit. Quand il est précipité, on l'appelle l'acquisateur. Ce n'est pas de cette précipitation dont Ézéchiel 28 en fait. Oui, Ézéchiel 28. La précipitation des églises de Dieu. Et ça a mis avant qu'Adam et Ève battent. C'est là cette fête avant que Adam et Ève ne puissent tomber. Avant cela. Maintenant, il va se faire. Il va accuser qui en ces terres-là. Il y a un homme qui dit que précipiter le diable et les âmes est délé. C'est pourquoi j'avais fait mention que la précipitation du diable dans la Bible est nombreuse. Tant ballon qui est. C'est-à-dire, tant qu'il est vaincu. Ma présence va être toujours précipité. Il est présenté comme quelqu'un qui est précipité. À ce combat, il est par cette chair. Donc, il nous combat au moyen de cette chair. Mais tant que nous tournons la chair, lorsque nous allons abandonner cette chair, c'est Jésus qui va nous accorder un peu. C'est Jésus qui va l'auteur de nous accorder un peu. Et nous allons vaincre les serpents. C'est là que nous voulons dire que nous avons vaincu les serpents. Amen.
Parce que la force du diable, c'est la chair. Mais quand on sait ce voyage, après notre voyage, nous allons porter les corps de gloire. Paul appelle dans Romains 16, verset 20. Paul appelle de là dans Romains chapitre 16, bientôt Dieu écrasera Satan sous vos pieds. Le changement là de la chair, du corps. Paul appelle comme étant bientôt Dieu écrasera Satan sous vos pieds. Il y a un proverbe qui m'appelle vainqueur. C'est pourquoi nous sommes appelés là-bas des vainqueurs. Après notre départ, Tholomé dit la femme a commis la terre. La femme a commis terre, la terre. Ok, après notre départ, la femme devient la terre. Elle prend la position terrestre. A commis position à C. Elle prend la position terrestre. Parce qu'elle a dit quand va précipiter le dragon la terre. Parce qu'il est écrit que lorsque le dragon fut précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Directement, il a poursuivi la femme. C'est-à-dire la femme, à sa seule position, c'est-à-dire la verset 1T. C'est-à-dire la femme n'a plus la même position qu'il avait au verset 1er d'Apocalypse 12. Parce que Galates 4, le de la Jérusalem d'en haut. Parce que dans Galates 4, on parle de la Jérusalem d'en haut. Alors de la paix, Jérusalem d'en bas. On parle aussi de la Jérusalem d'en bas. Jérusalem d'en bas, ils ont Israël dans un Proche-Orient. Jérusalem d'en bas, c'est Israël qui se trouve au Proche-Orient. Maintenant, la terre est celle qui dit non. Maintenant, je vous avais fait voir ceci. Que tant que le dragon est poursuivre la femme. Que lorsque le dragon va poursuivre la femme, deux ailes, il y a aigle et pessanémie pour accueillir la désert. Les deux ailes de l'aigle lui fit donner pour qu'elle s'enfuit dans les déserts. Ombre n'a pas fait la table d'Israël à son imam Égypte. Son ombre, il faut voir quand Israël sortait de l'Égypte. Et ton pessanémie, Exode 17. Voilà pourquoi on avait donné Exode chapitre 10. Verset 4, Israël. Exode 19, verset 4, verset 4. Les seigneurs ont confirmé qu'Allemagne Israël n'a désert d'aigle. Les seigneurs ont confirmé qu'il avait transporté Israël sur le désert d'aigle. Pourquoi vers moi? C'est-à-dire l'amener vers lui. Désert maintenant, Wana est comme moi. Le désert devient moi l'éternel. Parce que désert, Wana, femme, est ce qui est. Parce que dans le désert dans lequel la femme doit partir, il y aura la construction du tabernacle là-bas. La manne est tombée sa maman. Même la manne va tomber là-bas. La caille est tombée sa maman. La viande sera donnée à la femme. La loi de Dieu est tombée sa maman. Même la loi de Dieu sera donnée à la femme. Et ça, désert, mais c'est qu'il va te passer à la nourrir. C'est un désert, mais les gens seront nourris là-bas. Dieu va mettre ce qui est passé. Amen. Maintenant, pour la aigle dans l'Égypte, ça va dire Aaron à Moïse. Maintenant, là-bas, pour Israël, les deux ailes de l'aigle, c'était Aaron et Moïse. Mais l'Apocalypse 12, mais en Apocalypse chapitre 12, Esaïe, Élie, na Moïse. Ça sera plutôt Élie et Moïse. Donc, l'Esprit a Élie, donc mission à Élie. Et qu'on s'incarnait dans la terre, mon corps. Donc le service de Élie va s'incarner dans une terre, dans un corps. Et à mon bateau présentant mon terre. Voilà pourquoi on présente cela comme étant une terre. Et ça la bouche. Qui porte une bouche. Mais on protège la femme. Et qui protège la femme. Place-moi dans ton humanité, on comprend. La cette place-là, nous voudrions comprendre. De soi qui ose douze. Nous avions utilisé Osé chapitre 12. Verset 14. Au verset 14. Par un prophète, Israël fit monter de l'Égypte. Amen. Voilà Moïse, mais à ministre Israël. Ah, le premier prophète qui délivre Israël de l'Égypte, c'est Moïse, d'accord. Mais l'écriture de Osée 12, verset 14, et demi. Mais l'écriture d'Osée 12, verset 14. Par un prophète, Israël fit garder, protéger. Amen. Mais là, on voit qui nombre 27. Voilà pourquoi on avait utilisé nombre 27. Là-bas, comme Dieu disait à Moïse qu'il fallait qu'il meure, Moïse a demandé pour nous capoter ce qu'il y a gardé le peuple à prier. Moïse cherchait qui devait garder le peuple après lui. Et ça m'a exécuté par Josué. Et Dieu lui avait dit de prendre Josué. Là, on comprend l'écriture de Osée 12, 14. Là, on a compris l'écriture de Osée chapitre 12, verset 14. Le prophète Osée a parlé de là.
27. Donc le prophète Osée parlait des nombres 27. L'arrivée à Josué.